Allez frérot, mon dernier single, Égaré, en feat avec le Rey, Microteros, est tout juste disponible sur ma chaîne HPP Music et sur toutes les plateformes de stream. Et le clip, attends, est toujours dispo évidemment, alors n'hésite pas à aller le checker. Merci pour la force et bonne vidéo. Et salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo réaction avec le tout dernier clip de l'Algerino. Eh oui, bah l'Algerino en fait c'est comme Magic System, il sort une fois par an. C'est l'été. Et là, bon, là, il y a un peu de nostalgie déjà de très organisé. Puisque sur ce son, on retrouve bien sûr SCH et Jules. Et le titre, ça s'appelle Sapapaya. Ça va être des paroles profondes. Non, bien sûr, ça va être un son d'été. On a bien sûr l'habitude avec l'Algerino. Il a trouvé son style. Même si je pense qu'il est capable de faire des deux. Que ce soit des sons même un peu plus mélancoliques, un peu plus conscients. Mais il a trouvé son public. Il est doué là-dedans. Qu'est-ce que tu veux, gros? Donc là, les gars, là, je viens juste de voir que le clip était sorti. Regarde, il y a une intro de 2 minutes. Je pense que ça va être un sketch. Il y a moyen que ce soit un sketch. Alors, qui va y avoir, je ne sais pas. Si ça va être entre l'Algerino et SCH Jules, ou alors, je sais pas, un délire, c'est des dégâts. Ou je sais pas, tu vois, moi, je sens un délire comme ça. Donc, bref, on va pas perdre de temps. On va aller checker ça, bien sûr, comme d'habitude. Tu donnes ton avis sous la vidéo. Et aussi, comme d'habitude, mon Rey, tu likes et tu t'abonnes en activant cette cloche. Alors là, j'en ai marre de répéter en activant cette cloche, mais c'est vrai, il y en a, ils le font pas. Ça c'est Marseille parce qu'on voit Notre-Dame de la Garde. Voilà. Pourquoi? Oh non, pas lui. Très rare. Normalement, s'il se ramène, il va casser une télé. Bureau du maire, non mais attends. Ça va être qui le maire hein? Déjà, attends. Il y a un truc que j'ai kiffé. Attends, on va se remater ça. Regardez bien, la porte n'était pas ouverte. On l'a entrouverte là. Voilà, parce qu'il... En fait, il fallait pas qu'il rentre comme ça, il fallait qu'il rentre comme ça. Mais frère, c'est... Ah, c'est Momo Ini, il sait que casser des télés, c'est pas ouvrir de porte, Musken. Monsieur le maire, je vais péter un câble. La situation, elle est critique à l'OM. Mais non. En Ligue 1, on perd. En Ligue des Champions, on perd. En Coupe de France, on perd. C'est la fête des pères. Oh, c'était sûr, c'était... J'ai vu la télé, j'ai dit, il va la péter. C'est pas au courant ? Jules, viens de racheter l'OM. Wow, et j'ai juré, rigole. Mais voilà qu'un jour, ça va arriver, cette connerie. Oh, le placement de produits propres. Le nouveau préfet de Marseille. Les charbons. Mais n'importe quoi. Assieds-toi, calme-toi. Aïe. C'est de la musique. La musique, et la musique, on en parle. Musicalement, on est au plus bas. Je comprends plus rien à votre rap. Alors, il y a la trap, le reggaeton, la drill. Oh, la seule drill que je connais, c'est le comprimé que je prends à la pharmacie. Elle est pas ouf, celle-là, Momo. J'ai convoqué deux Didier qui nous font la crise de la quarantaine. Deux Didier? Ça va être qui? Mais non. Ouais, bon. C'est pas eux, ils ont juste pris deux gars et ils ont mis un casque au-dessus. Voilà, mais le clin d'œil est beau. Toutes mes félicitations. Mais t'imagines, c'est vraiment eux, ce serait le feu. Les gros illégaux, RS6 qui l'ont croqué au port autonome. Calibré dans le carré, sa mère un biopic. C'est la street enculée comme une R19 sur la tirette du Crédit Agricole. On fait des millions pas de patrons, les frères avocats ou narcos. On pèse les juges et les macons. On fait du bifon pas le patron, les cartons, les mélanges dans les cartons. Le sang des marioles, de la sabine à la caillole. Voilà, arrêtez cette histoire de couvre-feu, de confinement. Voilà, j'ai envie d'aller en vacances, j'en ai marre. À l'époque, les visions nous avaient pointé. On a racheté la boîte, évidemment. Eh ouais, ma race, on a le son qui arrache. Tu veux jouer à la vache, fais pas tomber dans la marche. Dans le son, j'arrive comme on marque dans ce voyage. On fait la Champions League comme l'OM et le Bayern. On sent dans le Cayenne-S. Bon, on veut la Champions League comme l'OM et le Bayern. Tout le monde veut, même Dijon, ils veulent la Champions League, hein, dans ces cas-là, on est d'accord. Et le S, moi, S, il percute, allez, pour moi, c'est des Lambo, des Rolex, des D-Max, des Volax, des Parlux, c'est beau, mec. Qui a 4 au monde, comme ça? Frère, voilà, c'est trop. C'est ton nom, là,
Elle a... Les gars, ça me perturbe trop. Ça me perturbe trop. Moi, je veux vraiment savoir si c'est les... vraiment les Daft. Vraiment, je veux savoir. Je veux savoir. Et voilà, SCH, il pose quand Julius maintenant. Ça y est, il a dit quoi, il a dit. Oh là, ça a marché, je pose quand Julius. Qu'on aime ou qu'on aime pas Jules, frère. Qu'est-ce qu'il est fort en autotune, ce bâtard. Ah ouais, d'accord. Oh merde. Ils ont tout niqué. Ah voilà, frère. Bon, allez, salut. 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 Ah, c'est Skalpovitch qui a fait la prod. Ah bien, ça fait plaisir, ça. Ok, alors nouvel album. Ah, nouvel album de l'Algerino, les gars. 18 juin 2021. Bah écoute, il y a moyen de réagir sur cet album de Moonlight. Ok. Donc les gars, ce sont Sapapaya. C'est pas référence à un truc, la banane, la paille, les petits bonhommes jaunes, les mignons là. Quoi? Mais bref, du coup, ce son de l'Algerino accompagné de SCH et Jules. Bon, c'est un son d'été, évidemment, il n'y a pas de surprise là-dessus. Et c'est un son, bien sûr, je pense qu'il va ambiancer pas mal de monde. Après, en soi, je trouve que le refrain n'est pas si ouf que ça. Ah, franchement, je suis même un peu déçu. Peut-être qu'il va falloir que je réécoute le son. C'est comme le son C'est les Sao, même si j'ai pas réagi en vidéo. Mais à la première écoute, je l'avais pas trouvé si dingue. Et au final, là, je commence à plus le kiffer. Alors là, ce son-là, peut-être que ça va être pareil. Hein. Là, peut-être qu'on n'est pas dans le mood aussi des vacances et tout, donc il y a moyen que d'ici un mois ce son là soit vraiment un carton. Mais après le clip, voilà, le clip est très sympa, l'intro est sympa avec Mohamed Eni quand même. Il y a pas réellement de surprise, c'est du l'Algerino. SCH, les gars, c'est abusé. SCH maintenant, même dans des sons ambiançants, frère, il va faire le mafieux de Julius. Il me termine. Et Jules, bon, Jules, voilà, fidèle à lui-même, bien sûr, là, c'est le côté plus auto-tuné et tout. Et le, moi, j'ai plus kiffé son deuxième couplet à Jules, je l'ai trouvé extraordinaire sur la partie auto-tuné. Je le trouve ouf, cet enfoiré. Donc, du coup, oui, c'est un bon petit son, mais rien d'extravagant, rien d'extraordinaire. Je vais pas vous mentir. Mais là, la prod est dingue. Par contre, là, c'est une prod de ouf. Là, on est parti sur une prod un peu funky été. Et c'est pour ça que j'aime bien, j'avoue, les sons funky. Je commence à kiffer le délire. Et en plus, voilà, c'est Skalpovitch. Donc, ça fait plaisir, Skalpovitch. Voilà, vraiment aussi un mec, voilà, aussi. Un des gars qu'on entend beaucoup dans le rap français. C'est quelqu'un, cet enfoiré. Donc, c'est un son validé en soi, mais rien d'extraordinaire, comme j'ai dit. Mais j'attends quand même le projet de l'Algerino. J'espère qu'il n'y aura pas que des sons voilà, ambiançants, des trucs comme ça. J'espère qu'il y aura des trucs un peu plus mélancoliques, parce qu'il est très très fort aussi dans ce domaine. J'attends l'Algerino au tournant. Ouais, frère. Bref les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker un maximum, liker à fond et à vous abonner en activant cette petite cloche là. Comme d'hab, je compte sur vous. Bah, donnez vraiment vos avis en commentaire, comme d'habitude, hein, si vous avez kiffé le clip, si vous avez kiffé le son, si vous avez kiffé un peu les incrustes là, des faux Daft Punk, là, Michou et Inox Tag. Enfin bref, voilà, vous me régalez bien sûr en commentaire comme d'hab. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre à travers tous les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas aussi à aller profiter de mon dernier son qui est sorti, le son Égaré, voilà, qui est dispo hein, sur la chaîne HPP Musique. Et aussi sur toutes les plateformes de stream hein. En plus là on a passé les 1000 écoutes. Ça fait plaisir, on a eu le disque de bitume. Si t'es arrivé jusque là dans cette vidéo, lâche moi n'importe quel emoji en commentaire. Tu me lâches n'importe quel emoji en commentaire. Là t'es obligé, là maintenant, voilà. Même un caca qui sourit, c'est cool. Bref, les tags, il n'est pas possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking béance. Je suis égaré, égaré au milieu de ces tarés.